Good morgen, allez, Iden les sucres aujourd'hui, le lunchmat, Dov ben Yehudit, et Vataramra ben Chedva, Léor Léa bat Béla, Chayesta bat Myriam, Trek Perz ben Fortuna, et Chamichal ben Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi donner une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Maseret Shabbat, Perek Tedvav Mishnah Alef, Eilu Ksharim Shechayavin Alehem, Kesher Agemalin, Ve Kesher Asapanin, Ou Keshem Shu Chayav Al Kishuran, Kachu Chayav Al Eteran, Rabbi Meir Omer, כל קשר שהוא יכול להתירו באחת מידיו, אין חייבין עליו. On a deux mishnayot les deux premières mishnayot du chapitre, qui vont porter sur l'interdit de kosher et matir, faire des nœuds et les défaire. Il y avait au Beth Amikdash, d'abord au Mishkan, pour la construction du Mishkan, on a déjà évoqué qu'on apprenait, on apprend les 39 travaux du Shabbat, du Mishkan, dans le Mishkan. Il y avait besoin de faire deux nœuds de plusieurs manières. Il y avait notamment, lorsqu'il devait tisser les différentes toiles, qu'on arrive au bout du fil, il faut faire un nœud pour pouvoir attacher le prochain fil, premièrement. Deuxièmement, il y avait aussi, à part ça, il fallait pêcher le chilazone, qui était un poisson, là d'où on tirait, le bleu azur, le trélète. Et pour le faire, il fallait des réchettes, ça m'échappe, c'est pas défiler. Et donc il fallait des filets plus grands, des fois plus petits, donc on défaisait les nœuds et on les refaisait. De là on apprend kosher et matir, faire le nœud et défaire le nœud. La Mishnah commence en me disant comme ça, Elu ksharin shechayavin alem, tels sont les nœuds sur lesquels on est chayav. Kesher agemalin ou kesher asapanim. Les nœuds des chameaux, et ou plutôt de ceux qui vendent, qui élèvent des chameaux, gamaline, l'eau gamaline, la gamaline, un gamal, d'accord. Kesher à gamaline, c'est celui qui élève le chameau, avec kesher à panim et à sapanine, et les nœuds des marins. Et on explique, on pose tout de suite une règle. En fait, dans les nœuds, on va voir qu'il y a trois niveaux de nœuds. Dans notre Mishnah, on va parler du nœud sur lequel on est interdit par la Torah, que si on le fait ou si on le défait, on est passible de... si on était Meshogeg, Khatat, sinon c'est Karet, sinon c'est ce qu'il a, on transgresse Shabbat en fait en faisant un nœud. Il y a un nœud donc sur lequel on est Chayav Mideoraita, il y a un nœud qui est interdit Miderabanan et un nœud qui est permis dans la Torah. D'accord? On va apprendre qu'il y a aussi des nœuds qui sont permis à faire, ce sera dans la prochaine Mishnah. Dans notre Mishnah, on découvre celui qui est interdit Minatora, dans la prochaine Mishnah, on va parler de ceux qui ne sont pas interdits Minatora, mais que Miderabanan ou même qui sont tout simplement permis. Et j'introduis directement. Deux avis essentiels qui sont rapportés ensuite dans la Halakha. Shulchan Aruch tient comme un avis, le Rama rapporte comme l'autre. On est Mahmir, même Sfaradim comme Ashkenaz, on est en général tous Mahmir sur ça. Comment différencier les trois nœuds? Selon le Rambam, il y a deux paramètres, le paramètre artisanal et le paramètre duré qui interviennent. Soit, s'il y a les deux conditions requises, que tu as fait un nœud artisanal pour une durée, pour une longue durée, on transgresse l'interdit de la Torah de faire un nœud. S'il n'y a qu'une seule condition, que c'est un nœud artisanal mais que tu fais pour une courte durée, ou que c'est un nœud que tu fais pour une longue durée mais qui n'est pas artisanal, un nœud d'artisan c'est un nœud professionnel, d'accord? Ceux qui ont, j'ai eu des échos que ceux qui ont étudié, ceux qui sont les marins qui ont fait des études de marins ou à l'armée, ils ont appris à faire toutes sortes de nœuds possibles avec des cordes. C'est un nœud qui demande une certaine connaissance. Pour l'alaha, on est mahmir que dès qu'on fait un double nœud, il y a des avis qui considère que c'est déjà peut-être un nœud professionnel. Donc on est marmire sur n'importe quel nœud en fait. On expliquera, on aura l'occasion d'évoquer un petit peu. Pour le moment, ce qui m'intéresse, donc c'est d'évoquer, je reviens sur le sujet. On a trois sortes de nœuds, un qui est interdit Minatora, un qui est interdit Midarbanan, un qui est permis. Donc j'étais dans l'avis du Rambam, deux conditions, si c'est un nœud d'artisan professionnel, plus durée, longue durée, alors on transgresse l'interdit de la Torah. S'il n'y a qu'une seule condition, c'est un nœud professionnel, mais pour une courte durée, ou bien un nœud pour une longue durée, mais qui n'est pas professionnel, c'est un interdit Midarbanan. Et s'il n'y a aucune des deux conditions remplies, à savoir c'est un nœud simple, banal, bénin, et que l'on fait pour une courte durée, alors ce sera permis de le faire. Ça c'est l'avis du Rambam. Selon Rashi, il y a le paramètre artisan ou professionnel ne rentre pas du tout en ligne de compte, on n'a qu'une seule considération, c'est la durée. Il y a longue durée, durée moyenne et courte durée. Ça, c'est le long durée, c'est Midoraita, durée moyenne, c'est Derabanan, et courte durée, ce n'est que, c'est tout simplement permis, d'accord?
Donc voilà, on a introduit maintenant, qu'est-ce que d'après, qu'est-ce que signifie le Kesher Agamalin ou Kesher Abzin. Peut-être que maintenant on va un peu mieux préciser, c'est quoi le Kesher Agamalin, et c'est quoi le nœud des sapanim, aussi des marins. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est le même principe, aussi bien pour le chameau que pour le bateau. Pour le chameau d'abord, c'est un petit peu sadique, de la manière de tenir un chameau, et c'est très, très violent et agressif et sauvage un chameau. Et pour, en tout cas, pour le tenir, ils avaient l'usage de lui... Il n'y avait pas de corde à lui mettre autour du cou. Apparemment, il était trop excité, il pouvait facilement déchirer. Pour pouvoir bien le tenir, il fallait lui faire un piercing. On lui trouvait dans la paroi du nez, et on mettait là-bas une corde. On faisait rentrer la corde, et on faisait un nœud qui restait fixe sur son nez. C'est-à-dire qu'il est sur son museau. Et à partir de cette corde qui est attachée, on attachait une deuxième corde. Sur ça... Le premier nœud, c'est un nœud interdit minatora, parce qu'on le fait pour le durer tout le temps. Et en plus de ça, c'est un nœud professionnel, selon Rambam. Tandis que, et ça, donc c'est de lui qu'on parle dans notre Mishnah. Et dans la Mishnah, dans la prochaine Mishnah, on verra que l'autre corde qu'on va accrocher, que des fois on attache et que des fois on détache, puisqu'on peut l'accrocher pour une durée moyenne, ou que c'est pas un nœud artisanal, ou plutôt non, que c'est un nœud artisanal, mais qu'on fait pas pour une durée, pour une longue durée, alors il n'y aura qu'un interdit minatora. Ça, c'était pour le Kesher Agamalin. Agamalin. Kesher Asapanim, c'est le même principe. Sur le bateau, il y a un trou, enfin il y a un dispositif, je sais pas, on fait là-bas entrer une corde que l'on attache. Et à partir de cette corde, on fait une boucle, et à partir de cette corde, on va attacher une deuxième corde. Donc la première corde qu'on fait sur le bateau, on la laisse de manière fixe, c'est pour ça qu'on transgresse l'interdit min à Torah. La Mishnah continue en disant, Keshem Shukhayav al Kishur Anter Khayav al Teran, de même aussi bien qu'il est Khayav, il est condamnable sur le fait qu'il les attache, alors il est Khayav s'il les défait, ne sont très importantes, on est Khayav lorsqu'on défait un nœud, que si on défait un nœud sur lequel on n'est pas cible, on est Khayav si on l'avait fait. C'est le même niveau. Chacun, selon ses conditions requises, est-ce qu'il y a deux paramètres ou un seul paramètre, juste la durée de temps, ou aussi le côté artisanal qui intervient, et si tu vas donc défaire ce nœud, tu vas être Khayav. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir vient et nous apprend une nouvelle notion qui nous dit Kol kesher shu yachol lehatiro bachat miyadav en chayavin alav. Tout nœud qu'il parvient à le défaire avec une seule main, alors on ne sera jamais chayav dessus. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, il faut, même si tu as fait un nœud très professionnel, que tu as fait tourner la corde, etc., mais tu peux, soit tu l'as pas, t'as pas été méadek en fait, tu l'as pas serré fortement, eh bien tu peux. Tu peux le défaire donc avec une seule main, on n'est pas toujours pas chayav pour le moment. D'accord? La lacha n'est pas établie comme Rabbi Meir, donc on est chayav même si on a un nœud qu'on peut défaire avec une seule main. Entre parenthèses, il y a quand même un truc important, c'est qu'une boucle, par contre, un kesher aniva, ça se dit dans la. Dans, aniva, c'est pas un nœud de cravate. Kesher aniva, un nœud en boucle, dans la lacha, on le permet totalement, c'est bichlal, pas du tout considéré comme un nœud. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Selah.